Martin, porte-lance des designer industriel chez IDEA Innovation PME. Je m'appelle Mélanie Simard, je travaille chez IDEA depuis juin 2008 comme technicienne en design industriel. En fait, le designer industriel va développer des produits qui sont destinés à une production en série. Donc, ce n'est pas des pièces uniques, c'est des pièces qui sont utiles et fonctionnelles. Le design industriel s'applique à peu près tous les domaines où on retrouve des objets, que ce soit dans le meuble, l'automobile, les produits électroniques. C'est soit de concevoir le produit bon, à partir du début, aller jusqu'à la fin du produit, ou peut-être aussi d'amélioration du produit. L'objectif du design, c'est de rendre les produits attrayants pour les consommateurs. Pour y arriver, il faut regarder le produit de différents points de vue. Il faut regarder le point de vue de l'utilisateur, il faut regarder le point de vue du manufacturier aussi. On va regarder l'ergonomie, l'esthétique. Il faut bien connaître la clientèle pour être sûr qu'on va leur offrir un produit qui va s'adapter à leurs besoins puis à leurs valeurs. On a vraiment une vision globale, ce qui nous permet dans certains cas de réduire les coûts aux endroits où ça paraît le moins puis mettre l'emphase sur les caractéristiques du produit qui vont plaire aux clients. Le design industriel intervient de A à Z dans le développement de produits. C'est une erreur de penser que le designer industriel passe à la fin du développement puis va mettre de la cire sur le gâteau. Pour faire un bon design, il faut avoir toutes les données de base. Au niveau des premières ébauches de concept, quand les entrepreneurs vont sonder la clientèle, c'est important qu'on soit impliqué pour poser les bonnes questions dès le départ. Bref, un bon design, c'est un produit qui va être esthétique, qui va être concurrentiel, qui va être viable économiquement et simple de réalisation. Fonctionnel et performant aussi pour le client. Les PME de la région ont intérêt à utiliser le design industriel dès qu'ils veulent sortir de la région, donc exporter. Parce qu'ils se frottent à une concurrence qui vient de partout dans le monde, donc le niveau de qualité de leurs produits doit vraiment être de classe mondiale. C'est une bonne façon d'aller chercher des innovations auxquelles les compétiteurs n'ont pas pensé.